Territoire de grands espaces protégés, propices aux activités de plein air, l'Auvergne est la destination rêvée pour les amoureux de nature et de randonnée. Au cœur du Massif central, partez à la découverte de cette magnifique région verdoyante aux innombrables attraits. Des anciens volcans de la chaîne des Puits aux gorges de la Sioule, en passant par les monts du Cantal et les somptueux lacs Auvergnats, les amateurs de paysages préservés ne pourront qu'être enchantés par toutes ces richesses naturelles. L'Auvergne est aussi riche d'un patrimoine bâti remarquable. Ses châteaux forts, églises romanes, villages typiques et villes à l'héritage architectural important.
Nous prenons la direction de Fournols. Nous sommes pour une semaine à Fournols d'Azureva. Vacances en terre de partage. En pleine campagne. Vacances au vert dans les monts d'Auvergne. Superbe! À 1040 mètres d'altitude, en bordure d'un étang, ce village vacances à thème, Fournols d'Auvergne, est la promesse de vacances en famille ou en couple, paisible dans un bel environnement calme et boisé. Dans cette station touristique familiale du haut Livradois, au milieu des sapins, le charme auvergnat opère immédiatement. Au programme, relaxation, remise en forme, excursion et découverte. La piscine couverte chauffée vous accueille tous les jours avec séance d'aquagym à la clé. Et si vous en profitiez pour partir en excursion sur les jolis sentiers du parc naturel régional du Livradois Forest. Il y en a pour tous les goûts et tous les mollets, à pied, à vélo ou en VTT. Fournols et son cadre enchanteur vont vous inspirer. Alors, un conseil, ici, c'est magique. Et puis, tout au long de ce film, vous allez admirer cette faune sauvage. Et Christian et moi-même, nous n'avons pas tout vu. Une semaine, c'est trop court. Et je pense que nous reviendrons. Alors, suivez-nous. Plus de 40 oiseaux ont été vus pendant cette semaine. Ici, une bergeronnette grise. Le matin, il faut se lever de bonne heure pour voir les oiseaux et la faune sauvage. Ici, moi et Christian, on est plutôt gâtés. Ils sont souvent au rendez-vous. La végétation est un peu plus en retard par rapport à chez nous. À cette altitude, c'est bien normal. Presque tous les jours, nous avons entendu ce coucou gris. C'est un oiseau très discret, longiligne, de taille moyenne, environ 30 cm, avec de longues ailes pointues et une longue queue arrondie. En vol, il ressemble à l'épervier d'Europe, avec des ailes pointues similaires. Il perche souvent seul, sur les lignes et poteaux, les ailes tombant légèrement alors que la queue est légèrement relevée. Dans cette position, il a l'air costaud et court sur pattes. Heureusement qu'on l'entend avec son célèbre coucou. Je pense que vous connaissez l'anecdote de cet oiseau. Le coucou gris parasite les nids des autres espèces. La femelle dépose ses œufs dans les nids des autres oiseaux. La femelle coucou passe de longues heures à observer le nid de l'oiseau convoité. Commence à pondre les siens, mais avant le début de l'incubation.
Dès que le nid est libre, elle enlève un œuf et dépose le sien parmi ceux de l'autre. Elle peut pondre de 8 à 25 œufs par saison dans différents nids. Après la naissance, le jeune coucou fait rouler les autres œufs hors du nid et les pousse avec son dos jusqu'au bord et les fait passer par-dessus. Le coucou gris capture principalement son alimentation au sol. Il se nourrit de grosses chenilles velues, ce qui est pourtant souvent délaissé par les oiseaux, de larves et de divers insectes comme des libellules, des criquets et des scarabées. Il consomme également occasionnellement des œufs et des poussins de passereaux. Avec le chant du coucou, le pipit des arbres se met aussi à chanter. Ce concert semble plaire à ce chardonneret élégant. Nous avons été plusieurs soirs pour essayer de voir la faune sauvage. Quelques conseils. Il faut être patient avant la prise de vue. Autrement dit, attendre que la faune vienne vers vous lorsque vous êtes dans votre affût ou caché. Il faudra aussi être patient au moment de la prise de vue. Prenez votre temps. Surtout quand le sujet est là. Surtout si vous avez attendu des heures. N'allez pas saccager cette attente en appuyant sur le déclencheur en mode rafale. La fuite sera systématique. Prenant le temps d'attendre encore et encore. Mais ce soir-là, rien. Nous irons dans un autre endroit demain. Le lendemain, le soleil se lève à Fournols. Mésange charbonnière. Un futur nid pour ces bergeronnettes grises.
pinson des armes. Pour les rouges-queues, les petits sont nés. Plus de 10 000 insectes pour les nourrir. Un véritable pont aérien. Fauvette grisette. Verdier d'Europe, Héron cendré, fauvette à tête noire, femelle. Pollo véloce. Bruant jaune. Le rouge-queue noir est un petit passereau au plumage sombre et discret, se trouvant fréquemment dans un environnement humain. La nidification du rouge-queue noir est semi-cavernicole. Il recherche pour nicher toutes sortes de trous, le plus souvent protégé par un surplomb qui le confine. Sur un bâtiment,
le nid sera souvent construit sous le toit, en haut du mur ou sur un élément de charpente à condition qu'il soit accessible. Nous partons visiter le petit village de Fournols avec une guide d'Azureva. Nombre d'habitants, 300. C'est charmant. Nous profitons pour visiter une maroquinerie, fleur de cuir. Tout un savoir-faire. C'est un des métiers du cuir qui consiste à faire des sacs à main, des porte-monnaies, des ceintures, des portefeuilles, enfin voilà, en gros. Alors du coup, moi, ça fait 15 ans que je suis installé. Déjà maintenant, ça se passe vite, c'est terrible. Et donc je vais commencer par vous montrer tous les cuirs que j'utilise. Ensuite j'ai toute une collection de cuirs un peu exotique. Je vous montrerai ça. Restez pas derrière, je ne mords pas. Malgré que je travaille le cadavre toute la journée. Donc ça c'est. Ah oui. Alors ça c'est une peau entière. Ça c'est une peau d'agneau. Alors l'agneau, bon ça je m'en sers très peu, je m'en sers pour doubler certains sacs. Ça c'est un cuir qui est super doux, super. On dirait presque du drap, ouais, c'est hyper agréable. On dirait presque un produit pétrolier. Il y a de la soie. Non, on dirait. Au toucher. Ça je m'en sers pour faire des portefeuilles. Dans ce style, voilà. Ah, c'est vrai que sur un portefeuille, il y a tellement de couches de cuir les unes sur les autres. Donc il faut que ce soit fin et résistant. Pareil, très doux, ouais, c'est. Même le moineau domestique est en diminution comme beaucoup d'oiseaux. Thank you.
Le soir, nous retournons à côté d'Azureva Fournol pour... Que des chevaux pour l'instant. Christian a repéré un animal. Ça bouge. Une chevrette. La chevrette est la femelle du chevreuil. Elle attend un ou plusieurs fans. Ils seront mi-bas mai-juin. La portée comprend en moyenne deux petits, de 1 à 3. Une femelle pesant moins de 20 kg ne peut pas mettre au monde de fans. En revanche, plus la femelle est lourde, plus elle a de chances de mettre au monde un nombre élevé de fans. Chaque fan pèse de 1 à 2 kg à la naissance. L'allaitement dure en moyenne de 2 à 3 mois, mais peut continuer jusqu'à la mi-novembre si les conditions sont bonnes. Le sevrage est achevé vers le 5e, 6e mois, octobre-novembre. Les jeunes s'émancipent à la fin de la première année de vie. La maturité sexuelle survient dès la seconde année de vie. Les chevreuils fascinent les hommes depuis la nuit des temps. On ne connaît toujours pas leur mode de vie, leurs habitudes, leurs comportements. Et beaucoup de gens appréhendent mal la place qu'ils tiennent dans le grand bal du vivant. Ce ne sont pas des animaux toujours faciles à observer. On peut parfois en repérer un ou plusieurs en lisière d'une forêt. Hélas, ce ne sont la plupart du temps que de furtives apparitions, des rencontres de hasard, de brefs instants à la fois merveilleux mais terriblement frustrants. Pour tenter de mieux les connaître, mieux les comprendre, ou tout simplement pour les voir vivre et évoluer en toute liberté, il faut faire des concessions et s'armer de patience. En fait, il n'y a pas d'autre solution
que de se fondre dans la nature, de se faire oublier, l'espace de quelques heures, de quelques jours, de quelques nuits. Assis au pied d'un arbre, aux confortables racines, debout, derrière un rocher, ou avalé par une haie, allongé dans les herbes au bord d'une prairie, bien camouflé dans des vêtements adéquats, auxquels on peut ajouter filets de camouflage, gants, chapeaux, branchages et feuillages. Il faut apprendre soi-même à devenir arbre, rocher, haie, herbe, prairie. Immobile, l'attente est souvent longue et les fourmis dans les jambes souvent au rendez-vous. Mais quel bonheur, parfois, devant l'animal qui ne vous a pas deviné. Ce sont là moments magiques, instants de vie privée animale qui enchantent et apaisent comme un sublime morceau de musique. C'est la grande symphonie de la nature, la vie dans toute sa vraie vérité nue, sans fioritures, sans falbala. C'est aussi un peu comme une drogue, quelque chose dont on ne peut plus se passer sans être persuadé de manquer l'essentiel, d'être privé de dessert. Alors, on y retourne. Certains, à chaque affût, que cette fois-là sera la bonne, que l'on aura la chance de les voir et de les filmer. Nous sommes tous les deux debout, pas d'affût pour ce soir. Le chevreuil a détecté des présences. Mais quoi ? Nous ne bougeons plus, immobiles. Il distingue des formes qui ne bougent pas. Mais quoi ? Les minutes sont longues. Va-t-il s'enfuir ? Ça a duré pas mal de temps.
comme nous n'avons pas bougé, ce chevreuil reprend ses habitudes. Ouf ! C'est une étape importante. Ne faites pas de sortie photo ou film à l'arrache. Mettez toutes les chances de votre côté. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte, comme la direction du vent, la météo, l'heure du lever du soleil et coucher, que je préfère, l'orientation de la lumière. Ne pas en tenir compte, c'est à coup sûr une sortie bredouille. Le chevreuil a un odorat 100 fois supérieur au nôtre. Nous sommes donc potentiellement repérables à 200 mètres. Comme je l'avais précisé dans d'autres films, le chevreuil a une relative mauvaise vue, mais distingue très bien les contrastes. Portez donc des vêtements qui se fondent le plus possible avec le paysage dans lequel vous allez évoluer. C'est un animal attachant, curieux, oh combien excitant à approcher, à observer et à voir vivre tout simplement. Le chevreuil est le cervidé le plus courant en Europe occidentale. Chassé depuis des siècles, il a appris à craindre l'homme qui, avec l'éradication quasi totale de ses prédateurs naturels, lynx, loup, ours, est devenu son principal régulateur. Sujet apprécié du photographe animalier de par sa beauté, sa curiosité, ses mimiques, le chevreuil demeure un animal relativement simple à voir ou à percevoir. Mais le filmer est une autre histoire. Seuls les mâles portent des bois. Une astuce à connaître pour reconnaître une chevrette d'un brocard ou jeune mâle. Les femelles ont une tache blanche au derrière en forme de cœur, tandis que les mâles l'ont en forme d'ovale. C'est un animal discret, d'autant plus qu'il est essentiellement forestier. Grégaire, les chevreuils peuvent se rassembler en milieu ouvert, en hiver, en groupe, pouvant parfois atteindre la vingtaine d'individus. Sédentaire en forêt, l'adulte évolue sur un territoire de 30 à 60 hectares en moyenne, plus pour les mâles, qu'il conserve durant toute sa vie. Le chevreuil est casanier. Il aime son territoire. De ce fait, il n'est pas rare de le revoir régulièrement, souvent dans les mêmes créneaux horaires, à ses endroits favoris. Ayant un système digestif de petite taille, il passe beaucoup de temps à se nourrir, entre 6 et 12 repas par jour, ce qui laisse l'occasion au photographe de le voir ou l'apercevoir plus souvent. Je me tais, regardez et admirez la nature.